Voilà ma toute première vidéo ici dans le groupe Facebook. Et donc, je vais tout de suite dire pourquoi j'ai créé cette page Facebook From Passion to Business. Si je peux, tu peux. Parce que je suis professeure de danse, comme la plupart d'entre vous le savent, et coach du féminin sacré. Et donc, j'ai commencé mon business il n'y a pas longtemps. Et surtout, je me construis un business online. Et je vois beaucoup de collègues, beaucoup de personnes que je connais qui doutent en eux, qui croient qu'ils ne peuvent pas, qui commencent même pas, qui réalisent pas leurs rêves ou bien à l'heure où c'est vraiment la galère. J'ai parlé encore l'autre jour avec quelqu'un qui dit, mais oui, mais moi je fais de la musique, mais qu'est-ce que j'ai comme choix? Avoir un travail à plein temps où je peux gagner ma vie, avoir une vie un peu décente ou bien presque avoir une vie de SDF. Et donc, ça, ce sont des croyances. En fait, ici, si moi je suis ici et en tant que professeur de danse, en tant que coach, je peux faire ce que je fais, alors toi, tu le peux aussi. Et je voudrais donc te montrer comment j'ai mon parcours, tout simplement, donner toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les choses que j'ai bien faites qui ont fonctionné, et aussi parler de ma coach, Sigrun, où j'ai commencé à travailler avec elle en janvier pour expliquer comment, grâce à son aide, au bout de 6 mois, j'ai pu quitter mon travail. Et donc voilà, ici j'ai fait toute une liste. Je ne vais pas tout raconter en une seule fois. Par contre, je vais chaque fois faire ici, planifier ça, des petits webinaires, des petits Facebook Live avec un thème bien spécifique où tu peux voir quel est le thème qui t'intéresse. Où est-ce que toi, tu as, quand tu es comme devant un mur, où est-ce que tu as des difficultés à te propulser en avant, à te croire en toi, à te dire, oui, ben moi, je peux aussi. Si Gudrun peut. Je peux aussi, et ça, je peux te le garantir. Donc, je vais parler du côté de comment j'ai trouvé ma mission de vie. Hein. Je vais parler après, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir créer ma propre méthode. Après, donc c'est vraiment tout mon chemin que je vais t'expliquer en petites pépites, comme j'ai dit. Après, je vais parler quels étaient les obstacles, mais internes à moi, des obstacles, des croyances que j'avais, des manques de confiance en moi, comment on peut facilement surmonter ça et comment j'ai galéré, franchement, même si parfois des gens me disent, mais non, 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 derrière les coulisses, ça se passe toujours, à l'intérieur, ça se passe autrement. Comment faire aussi les obstacles extérieurs, tous ces gens qui disent que tu ne dois pas le faire. Et après, qu'est-ce que techniquement, est-ce que tu dois être un génie techniquement pour arriver à te lancer ou pas? Quels sont le minimum de techniquement, qu'est-ce que tu dois connaître? Donc là, je te dis les différents trucs que j'ai essayé et comment moi je me débrouille. Enfin, débrouiller, ce n'est pas le bon mot, je crois. Hein. Maintenant, je sais vraiment bien le faire. Alors, les autres obstacles, la procrastination, croire qu'on n'est pas assez. Croire qu'on doit écouter 36 000 personnes, pas savoir se focaliser, pas savoir quoi choisir. Là, je peux te donner de nouveau toute la liste de ce que j'ai fait, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas nécessaire. Mais je sais, le chemin est pareil pour tout le monde et j'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui aurait été là au début, il y a 3 ans, pour me dire, Gudrun, tu fais ça et ça et ça et ça. Me donner des choses qui sont simples, qui me font tout de suite entrer en action et qui me donne un succès pour ma confiance en moi. Donc, moi, il m'a fallu 3 ans. Je suis sûre que moi, ici, tout ce que je peux te raconter va faire en sorte qu'il ne te faudra pas du tout ce temps-là. Il te faudra peut-être du temps, oui, pour la clarté, mais on n'a pas besoin d'avoir déjà tout pour commencer. On peut commencer tout de suite. Et ça, vraiment, ça, je vais expliquer pourquoi j'ai dit ça. Donc, j'ai fait une longue liste. En tout cas, j'ai 24 sujets. Donc, ça va peut-être faire 24 jours ou 2 fois par jour parce que je n'ai pas tout ce temps. Pourquoi je fais ça aussi? Parce que je sais qu'on peut perdre énormément de temps en cherchant, en se perdant, en cherchant des conseils partout, en ne sachant pas avec qui travailler. Et donc, je fais ça à l'heure actuelle, parce que ma coach Sigrun a un programme que je trouve juste fabuleux et qui ouvre ses portes 2 fois par an, et la prochaine fois c'est fin septembre. Et d'ici là, je voudrais que toi, tu puisses, que je te dise tout ce par où je suis passée, je te donne tous les conseils, de toute façon gratuitement, bien sûr, je ne suis pas un business coach, je ne vais pas faire payer pour ça, mais aussi parler beaucoup de comment j'ai travaillé avec Sigrun, comment est le programme, comment est cette communauté. Et je crois que c'est important
parce que je ne peux que la recommander. Et si toi, tu es déjà dans un processus, ce serait intéressant de savoir est-ce que Sigrun est quelque chose qui, est-ce que c'est ce programme qu'elle a, est-ce que c'est pour toi ou pas? Et ça, vraiment, ça, je voudrais t'assurer. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Et elle a aussi maintenant, ce qui est important, beaucoup de contenus qu'elle donne, comme toujours, gratuitement, qui sont absolument géniaux et que je recommande à faire. Voilà, je te soutiens parfaitement dans ton ambition ou ta vision ou ta passion de vouloir te construire un business, soit tu te mettre en indépendant, soit déjà construire un business online. Et en même temps, te donner accès à donc te donner les liens où tu peux suivre Sigrun en direct avec tous les contenus qu'elle donne gratuitement. Et donc voilà, je crois que c'est vraiment, je suis super passionnée parce que je peux éviter de faire tous les détours que j'ai faits. Et voilà, je pense que ça va être intéressant pour toi. Si tu es à un stade où tu es encore au début ou en train de réfléchir, ou de te dire, tiens, il y a peut-être un moyen, il y a peut-être moyen, si Gudrun le peut, je le peux. Et ça, voilà pourquoi je fais cette page et c'est toutes ces informations que je vais donner. J'espère que tu trouveras ça super utile pour toi et profites-en. Et je te souhaite une très belle journée et ça me fera très plaisir de pouvoir t'inspirer et t'aider. Et tu peux mettre des commentaires ici en dessous pour me dire si c'est un sujet qui t'intéresse et si ça vaut la peine que donc fasse mettre tout ça, cette information sur ma page ici. Merci beaucoup et très belle journée.